It's so hard to know what's been so easy. Moving on without me. Is she everything I couldn't be? Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing. Alors, pour expliquer, je suis ambassadrice d'une marque. Donc la marque Suede Bonbon sur Instagram, donc je mettrai leur Instagram juste ici. Donc c'est une marque de friandises qui va évoluer par la suite, donc ce ne sera pas que une marque de friandises. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Donc je vous mettrai les prix à l'écran et les grammes. Donc moi du coup pour faire un test et comme il me reste plus beaucoup de cours d'équitation, j'avais pas envie de prendre de grosses doses. Donc voilà, donc j'ai pris 100 grammes de poire pour tester. Donc voilà, et du coup j'ai reçu le petit colis. Donc du coup c'est dans une boîte comme ça. Il faut savoir que c'est des bonbons belges 100% naturels. Donc voilà, donc c'est totalement naturel pour vos petits poneys d'amour. Donc c'est cool. Et j'ai aussi reçu mon tapis, enfin mon tapis, parce que j'avais commandé un tapis de sel. Donc celui que je vous avais montré dans ma wishlist des anniversaires, enfin c'est pas le même, mais c'est l'autre, mais bon c'est à peu près pareil. Sauf qu'il a pas l'amortisseur et pas trop les mêmes designs. Mais je vous en ai parlé sur Instagram pour ceux qui sont sur Instagram. Donc je vous remettrai mon Instagram pour que vous puissiez me rejoindre dessus. Voilà voilà. Et donc du coup j'avais commandé aussi un tapis. Mais du coup je l'ai reçu, sauf que en fait le livreur, enfin j'étais pas chez moi quand le livreur est arrivé. Donc du coup j'ai pas mon tapis pour ce soir, parce qu'aujourd'hui on est lundi, le jour où je tourne cette vidéo. Et du coup j'ai pas mon tapis pour ce soir, mais c'est pas très grave. Voilà voilà, donc du coup je l'aurai pour la semaine prochaine, donc voilà, je le récupère demain, donc je vous ferai je continuerai l'unboxing demain, donc vous aurez une suite demain, mais pour vous ce sera pas demain, genre ce sera directement après. Donc là j'ai mon petit colis, je vais pas trop montrer parce que du coup il y a mon adresse, donc j'ai enlevé mon adresse etc, et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les petites étiquettes qu'il y avait sur la boîte, donc maintenant il n'y a plus rien, voilà. Donc je peux vous montrer un petit peu comment ça se présente, donc voilà, c'est dans un petit carton comme ça. Voilà, voilà, et du coup il y a les friandises dedans, donc je vais ouvrir le colis. J'aime trop faire ça. Voilà, donc du coup je vais commencer. Oups, j'ai cassé, ah non. Bref, donc du coup c'est parti, par contre calculez pas ma dégaine, genre je me suis habillée comme une grosse clochard. Bref, voilà, du coup là je vais ouvrir par là. C'est tellement satisfaisant. Donc franchement c'est très bien protégé. Et au niveau sécurité, enfin genre vraiment pour vous dire, il n'y a aucun problème. Enfin vraiment c'est sécurisé, les paiements sont sécurisés. Donc vous inquiétez pas sur ça, genre vraiment. Ça vient Instagram, mais je trouve ça clairement plus simple personnellement. Et genre voilà. Donc les paiements, au niveau des paiements, c'est sécurisé. Donc vous faites ça avec, la vendeuse quoi. Et du coup, voilà. Donc c'est tout sécurisé et tout. C'est bien, genre vraiment. Personnellement, je trouve que le paquet il est bien protégé. C'est franchement super bien. Voilà. Enfin franchement moi je lui ai donné ma confiance et franchement je suis pas déçue. Après avoir, comment ça se présente, donc je galère un peu, jamais autant galérer à ouvrir quelque chose, mais c'est pas grave, il y a le suspense, j'ai en train de mettre le colis dans tous les sens. Je suis grave contente. Donc du coup, ça se présente comme, oh j'adore, ça se présente comme ça. Mais c'est grave. Oh mais j'adore. C'est trop mignon. Donc là du coup il y a un petit mot sur la boîte. Il y a marqué merci pour ta commande de Suede Bonbon, signé Suede Bonbon. Il y a un petit mot, donc en gros hello, mille merci pour ta commande, en espérant que les bonbons plairont à ton cheval. C'est trop mimi, genre je suis... Non mais guettez le packaging. Franchement il est trop beau. Genre le packaging il est parfait. Ça c'est les petites surprises en plus du coup avec mon code promo, parce que j'ai un code pour vous. Donc ça c'est les petites surprises en plus du coup. Du coup je vous affiche mon code. Mon code c'est Billy8.
Voilà, je vous l'afficherai à l'écran pour commander. Et genre, ça c'est une petite surprise en plus, c'est trop trop cute. Genre vraiment, il y en a un comme ça et un comme ça. Donc vraiment genre waouh. Et puis il y a la petite pochette du coup avec toutes les friandises dedans. Donc petit packaging, enfin franchement je kiffe trop le packaging, je le trouve trop 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 beau. Voilà, donc petit autocollant pour fermer l'enveloppe. Enfin, je trouve que ça fait vraiment artisanal, c'est trop beau, genre j'aime trop. Donc ça se présente comme ceci. Je vais pas ouvrir maintenant puisque bah, du coup il y a les friandises dedans. Enfin quoique j'ai envie de voir à quoi ça ressemble, mais j'ai pas envie de déchirer trop le truc. J'ai pas trop envie de déchirer, donc je vais faire en sorte de bien ouvrir proprement sans gâcher le petit autocollant. Les petites friandises, ça sent hyper bon, genre fin, genre ça va, ça sent, ça a pas vraiment d'odeur en vérité parce que c'est à la poire du coup, mais elles se présentent comme ceci. Elles sont trop cute, genre j'aime trop les friandises, elles sont pas trop grosses, elles sont parfaites, genre vraiment elles sont bien dures et tout, genre parfait. Et franchement, ça n'a pas vraiment d'odeur, mais elles sont trop trop mimi. Donc voilà, voilà. Je sais pas si ça va faire un focus bizarre là. Focus, un peu le truc là. Ouais, bon. Bref, je suis pas douée. Donc voilà, les petites friandises à quoi elles ressemblent. Et du coup, elles sont dans un sachet. Donc voilà, elles sont là. Donc en plus, il y en a pas mal. Après, moi, j'ai pris que 100 grammes parce que j'ai pas envie de gâcher non plus. Voilà, même si ça se conserve bien. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir passé commande chez cette marque. Donc voilà, voilà. Et franchement, c'est hyper bien présenté. Enfin, il n'y a rien à dire. Genre, je suis trop contente. Voilà, donc merci beaucoup à la marque. Et aussi, c'est mieux de parler à moi qu'à une boîte. Donc vraiment, genre, je suis trop fan. Je pense recommander. Mais quand tes cours reprendront en équitation, parce que là, ça sert à rien. Mais vraiment, je suis grave contente. Voilà, voilà. Donc franchement... les paiements sont sécurisés, ils l'envoient parfait et tout, genre nickel. Je les ai reçus au bout d'une semaine. Voilà, parce que ça vient de Belgique justement, parce que c'est des bons belges. Donc voilà, avec les paiements du coup, vous les voyez avec la marque, mais franchement, pépite. Donc voilà, et aussi ils ont sorti une boîte, une box test, en gros avec tous les goûts. Voilà, donc ça fait 400 grammes, bon. Voilà. Et du coup avec un peu tous les bonbons et tout pour que vous puissiez tester. Donc voilà, voilà. Et du coup je vous mettrai les prix etc. Et puis n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram pour plus d'informations bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ce petit début d'unboxing vous aura plu. En tout cas moi je suis trop trop fan, je suis super contente. Voilà, vraiment rien à dire, la marque est super cool, ils sont super sympas. Enfin, elle est super sympa. Et voilà, genre, n'hésitez pas à aller commander avec mon code Billy8 pour bénéficier des petites surprises en plus. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve demain pour la suite de l'unboxing. Bisous tout le monde. Yo. Donc, on est le lendemain. Pour vous, du coup, ça fait pas du tout le lendemain. Voilà. Donc, si je suis un peu, je sais pas comment expliquer. C'est parce que je viens de faire 2 heures d'escalade. Donc, voilà. Et j'ai eu mon cours d'équitation hier. Donc, voilà, voilà, voilà. C'est sportif. Donc voilà, voilà. Alors du coup, je vous explique, j'ai fait mon cours d'équitation. Du coup, j'ai monté Bubu en saut, donc Ubu. Vous ne connaissez pas encore sur la chaîne, parce que j'ai pas tourné une vidéo avec lui, mais j'ai déjà eu en saut. C'est lui qui m'a fait ma première chute d'ailleurs, parce qu'il a baissé la tête et que voilà. Et du coup, je l'ai remonté aujourd'hui, enfin hier, en jeu. Et franchement, il était extra, j'étais super contente de cette séance. Voilà, voilà, on a fait un relais galop et... le jeu salade ketchup mayonnaise. Et du coup il était trop trop extra en jeu, alors vraiment il était hyper bien en jeu, donc franchement pépite. Voilà voilà. Et puis on a fait des relais galop, donc au relais galop en fait je suis à peine partie du pas, genre de l'arrêt et tout, je lui ai demandé un départ au galop, il est parti direct, il a fait la fusée, il a fait tout le grand tour et tout, et du coup on a gagné. Donc voilà, c'était cool. Et du coup bah vraiment j'étais trop trop contente de cette séance. Donc voilà. Du coup, on va commencer. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Donc, c'est parti. Ah, aussi, juste avant, je suis habillée pareil qu'hier. Parce qu'en fait, tous les matins, je mets des bulles parce qu'il fait froid le matin. Et après, ça se réchauffe un petit peu dans la matinée. Donc, finalement, quand je rentre, en fait, genre, j'ai trop chaud. Du coup, je mets un t-shirt. Et ce t-shirt-là, j'ai juste mis hier, vite fait, pour faire la vidéo. Après, je l'ai enlevé. Donc, du coup, je l'ai remis aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Tintintintin, colissimo. Bref, du coup voilà, j'ai mon petit colis Kramer. Non mais j'aime trop Kramer, genre les colis sont archi beaux, il y a des petits chevaux et tout. Ah, je suis fan. Là il y a un code barre.
Voilà, moi, on s'en fout. Du coup, là, je vais juste aller enlever mon adresse parce que voilà. Et le colis, bah, du coup, il vient d'Allemagne parce que Felix Müller, bah, c'est allemand. Et je Kramer, bah, Kramer aussi, en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai arraché les étiquettes. Donc il y avait une étiquette qui s'arrachait bien et une étiquette qui s'arrachait mal. Donc c'est pour ça que c'est pas propre. Mais du coup, ça donne ceci. Oh my god, le colis, je suis contente. Attendez, je vais faire ma miniature là, je reviens les gens. Parce que du coup, voilà. Donc je suis revenue avec une paire de ciseaux. Et on va ouvrir ce gros colis Kramer. Genre vraiment, le paquet. Waouh, j'adore. Voilà. On se met les mêmes ciseaux qu'hier. Et ah non, je me suis encore coupée, c'est vrai, c'est pas vrai. Hier, je me suis coupée et là, je me suis recoupée. Genre, hier, je m'étais déjà coupée en plus sur cette main, quoi. Non, mais j'abuse. Mais les ciseaux coupent vraiment hyper bien, genre, c'est ça le problème. Genre, hier, je me suis fait ça. Et là, je me suis fait le bobo là. Oh là là, mais c'est abusé, hein. Attends, je saigne. Bon. Bref, ces ciseaux sont tranchants et sont dangereux. Attention, quand vous ouvrez un colis, vous avez moins de 13 ans. Vous prenez avec vos parents. La satisfaction des gens. Hop. Je suis pas douée en plus. Je vais perdre une main, je vais rien comprendre. Ah, mais ça saigne beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, du papier. Quelle surprise. Je suis choquée, je suis trop contente d'avoir commandé du papier, genre vraiment. Enfin, pas du papier, du plastique. Voilà. Waouh, je vais m'amuser. Oh, les gens. Oh my god, les gens. Ah, attendez d'abord. Est-ce que ça fait du bruit? Attendez, je vais éclater. Mais c'est nul en fait. Bon, là, c'est quoi ça? Je m'en fous. Oh my god, c'est une beauté. Attendez, je le sors. Oh my god, guettez comme ça, passe pas si voilà, ça pue, on s'en fout. Oh, il est trop fort. Le carton, tu bouges là. Du coup, je vais vous montrer sous un autre angle. Genre, est-ce que, attendez, genre, guettez, c'est une beauté. Je suis choquée. Genre, la couleur, elle est hyper belle. Ah, comment me faire plaisir? Avec la petite moumoute. Ah bah, je vais vous présenter du coup. Hein. Je suis grave content. Ma coupe pure. Ah, oh, ça saigne beaucoup d'ailleurs. Oh, merde. Il est beau. Oh, genre, il y a la petite étiquette Felix Müller. Oh, le... Il y a la poche pour le téléphone. Mais c'est archi bien. Est-ce qu'elle est... Oh, c'est trop bien. Elle est magnétique et tout. Genre, ça veut dire, en fait, la poche, elle se ferme. Moi, je pensais que ça se fermait pas. Mais en fait, genre, c'est magnétique. Du coup, ça se ferme. Oh, je cherche que ça se pas trop beau, sérieusement. Genre la coupe et tout, genre c'est vraiment un kiff. La coupe comme ça, vraiment j'adore, c'est trop beau. Voilà. Donc, ah mais il y a une poche pour téléphone dans les deux côtés. Mais oh waouh, non vraiment, je vous conseille, un régal. Donc c'est celui que j'avais vu dans le unboxing, mais c'est pas vraiment le même. Mais c'était l'autre et du coup je préfère celui-là au final. Avec la petite moumoute sur le devant, genre vraiment il est trop canon. Genre waouh. Voilà, voilà. Donc il y a toujours, du coup, oh la cordelette elle est belle, je vais essayer de pas attacher le tapis. Une cordelette du coup comme ceci, donc une petite cordelette bleue, grise et blanche, voilà. On a du coup la poche pour le téléphone, magnétique, genre vraiment comme je vous explique. Et après ça se referme, voilà. Ensuite on a le petit logo. Du coup moi j'ai pris parce qu'en fait ils ont sorti plusieurs séries de ce tapis là avec...
On a toujours les lanières de contre-sanglon. Donc voilà. Et puis, il est magnifique, hein. On n'a rien à dire, clairement. La grosse étiquette. Voilà. Donc, je l'ai pris en taille mixte. Donc, c'est parfait, du coup, pour les poneys et tout, etc. Genre, vous avez capté, c'est la bonne taille. Donc, mixte, c'est vraiment genre double poney et chevaux. Donc, c'est les deux. Donc, voilà. Trop beau. Genre, petits chevaux et tout. Genre. Il est parfait. Waouh, je suis choquée, je suis trop contente. Voilà, j'en vois vraiment pas de rêve, il est tout neuf et tout. Ah, je vais prendre en sens parce que c'est mieux. Voilà. Et vraiment au niveau du garrot, il a l'air de bien libérer le garrot. Il est confortable. Et du coup, je n'ai pas montré l'intérieur, mais l'intérieur est en mèche. Voilà, c'est pas du nid d'abeille celui-là. Nid d'abeille, c'est un peu plus épais, je pense. Nid d'abeille, c'est mon paddock sport, mais celui-là, du coup, est en mèche. Donc voilà. Du coup, je suis trop contente pour cet article. Bref, du coup, je suis trop contente de cet article. Vraiment, genre, c'est... Voilà. Je sais pas quoi dire, mais il est trop beau. J'ai hâte de le tester sur un poney. Dommage que je l'ai pas eu hier, du coup. Mais j'ai trop hâte de le tester sur un poney. Ils vont être trop beaux. Voilà. Picasso, il va être canon avec. Genre, vraiment. Même les autres et tout. Donc, voilà. Je suis trop contente pour cet achat. Voilà, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et commenter. Voilà, voilà. Donc, j'espère que bah, du coup, la vidéo vous a plu. Même si elle était longue, j'ai beaucoup présenté. Mais voilà, je vais vraiment m'attarder sur tous les détails. Parce que j'ai que deux colis. Donc, je voulais vraiment m'attarder sur tous les détails. Pour que vous voyez bien et tout. Parce que c'est pas comme si j'avais 36 000 colis. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, le tapis, c'est censé être un cadeau d'anniversaire. Donc, voilà. C'est en avance, bien évidemment. Donc voilà, merci à mes parents et tout, donc voilà, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.